pas sur le criquet. Et c'est avec un autre partout. Partout, en plus, ça saute dessus. Salut les amis, aujourd'hui nous nous trouvons au col de la Serena, je suis en compagnie de Max, de Tony et de Priscilla et nous allons explorer le bunker qui se trouve derrière nous. Allez, c'est parti. Ouah, je vais me déchirer avec les ronces. Oh. Il fait hyper frais dedans, c'est génial, on est en train de crever au soleil là. On voit qu'il y a eu de l'activité là. Intérieur. Oh, les moustiques. C'est mouchon, c'est les moustiques. Ah oui, il a l'air conséquent quand même. On part par la gauche, on file la droite après. Oula, prête. Ah oui, c'est pas rassurant ça. Oh regardez, papa, il est sur le mur, papa. Vous avez quoi? Ah. Dans le bouquin, nos amis, qui arrive aussi. C'est quoi? Il y a des genres de salamandres. Là aussi. Là aussi. Oh, il y en a plein. On dirait que ça sent de la ici, du tir. Ouais, du tir. Attention, de... faites gaffe que... s'il y en a par terre, de ne pas leur marcher dessus. Ah ouais, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Ça montre que c'est vachement humide ici. Ouais, on voit qu'il y a une ligne d'éclairage qui a été mise. On voit qu'il y a eu du tir au plomb là, parce qu'on a trouvé des bonbons de CO2 à l'entrée. Et là, sur les genres de cibles qu'on a vu, il y a des impacts assez prononcés, donc j'irais du 4-5. Oh, de l'airsoft. Ah, il y a des billes d'airsoft, non, c'est de l'airsoft. Là, on est sur la sortie apparemment. Attention au sol. Faites gaffe, là il y a une salamandre. Ici là. Ne marchez pas dessus là, pauvre. Tenez attention là. Une salamandre. Là. Prête. Ouais. Regarde. Il y a une échelle. Oh joli. On va se la faire. Hein. Tes copines. Des volontaires pour monter ou pas? Ouais. Je vois pas où elle est. Pépé, tu montes? Je vois pas encore comment aller. Elle est pas aussi haute. Alors on va voir. Je vous la marche. Ah ouais. Il y a une deuxième échelle, la salle oblique. J'ai déjà vu ce type d'échelle dans un bunker vers ce spell. Ah oh, putain. Ah, j'aime pas ces trucs. Priscilla, ça va pas te plaire ici. Il y a plein de criquets sauteurs là. Les gens de grillons araignées. Ok, donc ça mène sur une bouche d'aération. S'il te plaît, en dessous du
Je vois quelqu'un qui s'est progressé là par, par des espèces de grillons. Ah, ça, putain. Je sais pas si t'arrives à passer là. Hein? Si t'arrives à passer ou pas là? Ouais, vraiment. Bah, une grille de ventile. Ah ouais. Ah Sarah, descendez. Bon ouais. Une grille de ventilation. Espèce de wagon. Hop là. T'as sur le criquet. C'est excellent. J'adore. Et c'est avec un autre partout. Partout, en plus ça saute dessus. Regardez-moi ce nid là. On va arrêter de les embêter. S'il vous plaît, merci. On va arrêter de les embêter. Non. Ah, bon ben, Priscilla vient de faire un acte héroïque. Il y a Max qui a... Il a laissé tomber son smartphone. Et apparemment Priscilla l'a rattrapé en plein vol. Donc ça c'est cool. Moi c'est marrant, ça m'est déjà arrivé. En plein tournage en plus. Ah, j'en ai un dans la nuque. J'en ai un dans la nuque. Allez va-t'en mon coco. Ah, j'en ai partout. J'en ai partout. Oh putain, j'en ai partout. Allez-vous-en. Oh, j'en ai un sur la face. Ah. Allez, va-t'en. J'ai fait louper la marche en plus. Hop. Ah. Je vais pas trop vite. Oh, c'est pas, non. Non, n'éclatez pas le pauvre. C'est bon la go. Fred. Oh non, il est tombé. Ah, il est mort. Elle a réussi à le. Non, sérieux. J'ai essayé, mais c'était les murs. Je suis pas trop désaxé là. Non, c'est bon, non, c'est bon. Il est vraiment. Mort, ouais. Le tactile. En fin de vie, de toute façon. Le tactile répond toujours, non? Ouais. À un moment, tu vas pouvoir changer juste l'écran. Donc bon, on vient de là. Ouais. Ah ben... Il y a encore un chemin ? Ouais, ça part par là aussi. On fait ce côté et on revient. Bon, mais il n'y a pas grand-chose ici. Juste au niveau de la cam. Ah ben j'en ai encore un dans le dos. J'en ai encore un dans le... Tenez, tu peux me l'enlever. J'en ai un là normalement. Tu peux me l'enlever doucement sans me blesser. Ah non, il est là aussi. Sans me blesser les gars. C'est bon, j'ai peur. Ouais. Ok. Allez, ça repart. Donc on est venu là. Donc on continue par là. Vous avez vu qu'il n'y a plus d'écho ici. Bon, il y avait indiqué sortie sur les murs. Effectivement, là, je vois la lumière du jour. Voilà. C'est quoi ça? La belle araignée. Attention, Priscilla, il y a une araignée là. Ok, donc là, on est. Essayez de voir à peu près. Prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir le bloc. Un joli petit bloc. Hein.
Donc nous on va re-rentrer à l'intérieur, on va terminer l'autre côté. Ça va pour l'instant vous ? Ça va. Ouais, nickel. Ah, il y a deux araignées, j'avais pas vu. Il y en a une ici là. Il y en a une plus grosse par ici. Elles sont belles, hein. Elles sont monstrueuses. Oh, elle a fait le toucher. Attends, voilà, on va la pousser doucement. Alors faites attention de ne pas lui marcher dessus quand vous passez. Je vais pousser doucement. Ah ouais, c'est mon protection la pauvre. Juste écarté sur le côté. On lui marche pas dessus. Voilà, elle était chez elle, elle a rien demandé, on est venu l'embêter chez elle. Faites gaffe ici là. Est-ce que vous faites bouffer par les moustiques aussi ou c'est moi? Je viens de me faire dévorer là. Attention là, petite salamandre. Alors, regardez bien au sol hein, de ne pas leur marcher dessus les pauvres. Il y a deux tunnels, je crois, il y a là et là. Non, il n'y a qu'un tunnel. Ouais. C'est une piole ici. Ah oui, ça correspond aux photos que j'ai pu trouver sur le net. Donc là c'est l'accès qui était bloqué par une grille à l'extérieur. Bon, ça sert à rien d'y monter, hein. On veut simplement voir une grille. Normalement, je crois qu'il y a d'autres blocs sur l'extérieur. On va essayer de faire un petit tour dehors. Sortie lol, ok oui effectivement, lol oui. Bon, et nous on va se diriger vers la sortie. On va aller voir ce qu'il y a autour. Il me semble avoir aperçu quelques blocs tout à l'heure en venant. Nous on n'a pas cassé la croûte, qu'est-ce qu'on fait? On va. Ouais, ça croûte. On se tape la croûte ici ou. Ouais. Allez, on va chercher ce qu'il faut, on revient. Parce que dehors, j'avoue, il doit faire au moins 40 degrés. Hop, on va pas se revoir comme tout à l'heure avec la ronce. Ouais, d'ailleurs, on sent un nuage de chaleur dès qu'on sort. Eh bien les amis, cette vidéo se termine. Nous finalement, on n'a pas cassé la croûte à l'intérieur du bunker, on était un peu plus, on a trouvé une petite table, on s'est foutu à l'ombre. Donc là, on va se casser le bide. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on vous dit à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchou.